Wahab Nation. Il y a Kevin qui est avec nous, il y a Fleskin, il y a Cécile, il y a Blaz, il y a voilà, plein d'autres artistes qui sont bien. Il y a Garon qui sera là, il y a Fatih qui sera là, il y a le tonton Bessaré qui sera avec nous aussi. Mais en plus de tous ces artistes, il y a aussi beaucoup de collègues, beaucoup de frères et de sœurs qui nous soutiennent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément sur la fiche du concert, mais qui sont là le jour du concert. Donc il y a une très grosse mobilisation autour et je suis très content. Et je sens que c'est vraiment le fils du pays en fait. Wahab Nation. Ce que je promets, c'est qu'il y aura un spectacle. Parce qu'il y a une différence entre un concert et un spectacle. Parce que mon concert a été décrit par des spécialistes. Et puis c'est une mise en scène. C'est tout le concert du début, de l'entrée sur scène, jusqu'à la dernière chanson, jusqu'au dernier morceau. Tout a été conçu pour faire rêver, pour donner de l'émotion, donner de la joie et transmettre quelque chose de particulier. C'est en ça que va résider le côté particulier, pour répéter le côté particulier de la chose. Ce sera un spectacle, ce sera pas simplement des cadors avec un micro et un orchestre derrière qui vient chanter les mêmes chansons. Non. Wahab Nation. Un défi, bon, c'est pas la première fois que je fais du live. J'ai toujours fait du live, j'ai fait 7 lives à chaque fois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de 7 lives ici à Cotonou au Bénin, pour ceux qui pour parler de la musique urbaine. Mais c'est pas un défi. C'est vrai que cette fois-ci, sur les concerts live, on était quoi? On partait sur 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum. Mais cette fois-ci, c'est plus de 33, 2 heures de scène de piano en live. C'est pas un défi, c'est pas la première fois que je fais du live. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus le spectacle pour le donner. Wahab Nation. Non, il y a des places de 3000, les places de 5000 qui sont assises, bien évidemment. Il y a les places de 25000 qui ont droit à l'album CD et à la clé USB peut-être, je crois. Voilà. Et bien évidemment, il y a des places, il y a des salons. Il y a des salons, ça reste à définir pour ceux qui veulent s'asseoir avec des petites consommations ou des trucs comme ça, de la collation, et ainsi de suite. Voilà. Wahab Nation. Je dirais même que la question ne se pose même pas, parce que c'est le fils du pays. Vraiment. Ça se voit déjà par la concrétisation de l'album qu'il a donné, et parce qu'il est d'un talent, comme vous l'avez dit, un talent de génie, et qu'il arrive à fédérer autour de ses œuvres tout le Bénin que nous connaissons, que ce soit les jeunes, que ce soit les moins jeunes, et il arrive à fédérer tout le monde autour. Et c'est ce que nous avons vu en lui. Nous, en tant que marque citoyenne, nous, en tant que marque globale, on retrouve, en tout cas en Nicanor, ce que nous faisons auprès de nos abonnés. Pour le concert du 25, nous allons le faire donc, comme l'artiste l'a dit, on va mettre des petits plats dans l'écran, nous, Africa va l'accompagner. Et c'est un honneur pour nous, encore une fois, d'être avec lui. Nous serons présents à travers des animations qu'on fera sur le site et on fera donnera d'énormes lots à tous ceux qui viendront. C'est le moyen pour moi d'inviter tout un chacun à prendre son ticket et à rejoindre l'artiste, le fils du pays, pour célébrer ensemble cette fin d'année en beauté. Wahab Nation. Ce 25 décembre sera magique parce que ce sera une grande fête ici à Cotonou avec toutes les familles, avec toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au concert et ceux-là qui aiment les concerts. Ce sera un grand spectacle. Et je pense que, j'espère que vous allez kiffer ce qui va se passer sur le 25 décembre. Ce sera magique.